de ses 50 ans, l'Union africaine vise désormais le prochain cinquantenaire. Celui-ci devrait voir le renforcement tant attendu de l'unité africaine. C'est la conclusion majeure de la grand-messe qui a réuni une vingtaine de chefs d'État, dont le nôtre en terre éthiopienne. Et puis, la lutte contre le diabète passe à la vitesse supérieure. Notre pays dispose désormais d'une banque d'insuline, cette substance indispensable aux malades du diabète. L'infrastructure fait également office de lieu de dépistage. Décriée dans les rues et acclamée au cinéma, la question de l'homosexualité ne laisse pas indifférent. Le 66e festival de Cannes vient de décerner la palme à la vie d'Adèle de Abdelatif Kechiche. Le film met sous scène la vie d'un couple homosexuel. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. On revient donc sur le point du 21e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Une vingtaine de chefs d'État a pris part à la rencontre. La question majeure de la paix et de l'Union sur le continent y a été discutée. Le président du FASO, qui a défendu des dossiers à ces tables, est rentré de mission. Le point de nos envoyés spéciaux, Urbain Sommet et Fousseni Kindo. Une rencontre au sommet à huis clos. La vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains s'est retrouvée ce dimanche à Addis Abeba pour le 21e sommet ordinaire. À l'ordre du jour, l'adoption d'un projet de proclamation du 50e anniversaire de l'OUA-UA, mais aussi des questions majeures du continent, notamment la paix et la sécurité, ainsi que le développement économique de l'Afrique. Après une célébration du jubilé d'or qui fera date dans l'histoire du continent, les chefs d'État africains mettent le cap sur l'horizon 2063, les 50 prochaines années de l'Union africaine. Nous allons sur ces 50 années à travers des priorités qui ont été fixées, agir avec beaucoup plus de vigueur pour que cette unité africaine qui a été au départ un rêve et qui aujourd'hui semble pour nous incontournable si nous voulons rester dans l'humanité avec une identité, avec un rôle. Je crois que nous avons intérêt vraiment pour ces 50 années à renforcer notre action, comme je l'ai dit, sur vraiment des questions fondamentales comme renforcer notre identité, poursuivre notre intégration, car il y a des actions à mener qui sont aujourd'hui pratiques. Il s'agit d'ouvrir nos marchés, d'organiser le libre-échange. Il s'agit de connecter rapidement nos États, d'assurer une intégration plus poussée, la libre circulation des personnes, des biens. Il s'agit aussi de renforcer l'éducation, la formation, l'inclusivité. Et ce sont là des thèmes qui vont être porteurs pour nous si nous voulons effectivement aller vers ces objectifs de 2063 avec beaucoup plus de succès que les 50 années passées. C'est là vraiment notre préoccupation aujourd'hui. Les dirigeants africains ont examiné en outre 16 projets de décision qui ont été approuvés par le Conseil exécutif de l'Union africaine. Et parmi ces projets, celui du Fonds de soutien au cinéma africain et le Burkina Faso qui abrite la capitale du cinéma africain, porteur du projet, est naturellement satisfait. Nous sommes dans un monde où la standardisation va très vite, où on est pris dans une mouvance culturelle, civilisationnelle, parfois qui n'est pas de notre histoire, qui n'est pas constituée par notre histoire africaine, mais par l'histoire d'autres peuples. Et dans ce monde, il faut bien sûr qu'à travers l'affirmation de notre identité, nous puissions être, nous Africains, des gens à part, mais qui font partie de cette communauté avec leur identité. Or, si nous passons tout le temps à regarder à travers des cinémas, le cinéma, les films, rien que les civilisations, les pratiques culturelles d'autres peuples, il va nous être difficile
de pouvoir partager équitablement avec ces autres-là. Si bien que nous voulons faire en sorte, à la demande d'ailleurs des professionnels du cinéma africain et même ceux de la diaspora, nous voulons faire en sorte que les Africains, surtout les leaders, nos chefs d'État, prennent conscience qu'il nous faut investir dans le domaine de l'image, du son et de la musique à travers les films, pour mieux faire connaître le continent, pour faire en sorte que les Africains, en allant vers le monde, puisse apporter quelque chose au monde. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'à travers aussi le cinéma. Un projet de décision qui a eu l'aval de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et porté par le Burkina Faso, c'est celui sur l'environnement et la lutte contre la désertification. Quand on parle d'économie, on parle de capital. Alors, or, il y a ceux qui ont les capitaux qu'ils mettent en bourse, dans les bourses de Londres, de Tokyo et autres. Bon, mais chez nous, les millions d'hommes et de femmes, leur seul capital, c'est la terre. Donc, voilà, pour faire fructifier cette terre, il faut bien sûr la préserver, c'est ce que nous, et puis il faut la valoriser. Alors, donc, nous pensons que laisser l'environnement se détruire, ne pas prendre conscience que le pauvre qui a sa terre, pour qu'il sorte de la pauvreté, c'est avant tout l'aider à valoriser sa terre. Cela peut nous poser des problèmes, pas seulement pour le Burkina, mais pour les Africains. Et nous voulons que sur cette question aussi, l'Union africaine s'engage dans le combat pour être à l'avant-garde de la lutte mondiale contre la désertification. Avant de se donner rendez-vous pour le prochain sommet, les chefs d'État africains se sont prononcés sur une proclamation sur le jubilé d'or de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Voilà, la paix en Afrique donc comme condition de l'unité des Africains face aux défis du développement. À ce jour, la situation au Mali est presque un cas de conscience pour les Africains. Dans ce pays frère qui sort d'une secousse terroriste, le retour à la paix se fait lentement mais sûrement. La présidentielle est prévue pour le mois de juillet prochain. À ce propos, le conseiller spécial du président malien pour le Nord est venu faire le point au président du Faso, médiateur de la crise malienne. C'est venu faire le point au président de divers contacts pris avec les uns et les autres dans la sous-région, avec les acteurs de la facilitation internationale à Bamako, mais également avec les responsables des groupes armés. Ces contacts vont continuer et nous avons bon espoir que nous avancerons bientôt vers la signature d'un accord intérimaire permettant la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national au Mali. Les autorités maliennes envisagent de tenir le premier tour de l'élection le 28 juillet. Il faudrait donc aller vite, et même très vite, et amener les uns et les autres à se mettre d'accord sur un accord intérimaire. Aujourd'hui, il s'agit de créer les conditions pour tenir l'élection présidentielle à Kidal et dans tout le nord du Mali, dans des conditions de stabilité et de sécurité, afin que le peuple malien puisse librement choisir le prochain chef de l'État du pays. Il est souhaitable qu'une fois que cela est accepté, une fois que les uns et les autres acceptent de se conformer aux résolutions de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro cette année, en février, aux résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et à la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations unies et résolution relative à la nécessité pour les groupes armés du nord du Mali de déposer les armes en vue de s'engager dans un processus politique. Une fois que les uns et les autres se seront engagés dans cette voie, et j'ai bon espoir qu'ils s'engageront dans cette voie, je parle des groupes armés du nord du Mali, et que les conditions seront réunies très vite pour que l'État malien, à travers tous ses représentants, retourne dans tout le nord du Mali
et que la souveraineté du Mali soit exercée sur toute l'étendue du territoire malien. Voilà, sur le processus électoral, donc, vous venez d'entendre les propos du conseiller spécial du président malien pour le Nord, Thiébilé Dramé, au micro de Sali Nana. Politique intérieure, à présent, nous marchons sur les pas du chef de file de l'opposition. Après le tour de quelques institutions, voilà Zéphirin Diabré et sa suite implorant bénédiction et soutien divin via la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina pour réussir sa mission. Prière entendue des responsables de l'Église évangélique qui promettent disponibilité et accompagnement. Mamouna Traoré. Nous sommes engagés en politique sur la base d'un certain nombre de principes et de conviction, mais surtout sur la base de l'appréciation du travail que fait la majorité dans la gouvernance de notre pays. Et c'est en tant que citoyen libre, en examinant cette manière de faire-là, que nous avons décidé de la contester, parce que très sincèrement, nous pensons que ce n'est pas ce qui convient à notre pays. Zéphirin Diabré explique les missions du chef de file de l'opposition politique au premier responsable de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Pour les accomplir, il a besoin de leur accompagnement. C'est pourquoi il est venu au siège de la Fédération pour demander des bénédictions. Il peut compter sur eux, car ceux-ci lui ont prêté une oreille attentive, prié pour lui et pour la paix au Burkina. En tant qu'Église, nous prions pour la paix dans le pays et dans nos églises. Nous sommes bergers de tout le monde, ça veut dire que nous respectons toutes les sensibilités. C'est conforté par ce soutien que Zéphirin Diabré quitte le siège de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Pour la paix au Faso, partis politiques et organisations de la société civile se donnent la main. Lardi et Vivens viennent de tenir ce week-end à Ouagadougou un forum pour la cohésion sociale. L'alliage prône le civisme au sein de la population. À cet appel, coutumiers, religieuses et autres composantes clés de la société civile ont répondu présents. Sié Sylvestre Da. Parce que la paix n'est jamais un acquis, ces leaders politiques, religieux et coutumiers, et les représentants des organisations de la société civile réunis sous l'impulsion du parti ADI, l'Alliance pour la Renaissance, la Démocratie et l'Intégration, et Vivens, Vivre Ensemble, Institut de la Société Civile, se sont penchés le temps d'une journée sur les voies et moyens de préserver la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Un forum que ces organisateurs justifient par le fait que les actes d'incivisme et les conflits divers, agriculteurs et éleveurs par exemple, sont de plus en plus légions au Burkina. Au nombre des thématiques abordées à ce forum, le civisme, le conflit foncier, l'accessibilité à la justice et le rôle de la presse dans la gestion des conflits. Les uns et les autres ont donné leur point de vue qui peut amener à résoudre certains problèmes, surtout les conflits d'ordre sociaux, les conflits interreligieux, les conflits de la chefferie traditionnelle. Nous allons renforcer notre travail au niveau de la sensibilisation de la population pour qu'il y ait plus de civisme dans notre pays, pour qu'il y ait plus de cohésion et que la paix, comme nous l'avons, soit renforcée de tous les jours. Les travaux ont permis aux participants d'adopter des recommandations et résolutions à l'endroit des pouvoirs publics. Entre autres, les participants demandent le retour à l'enseignement des valeurs civiques et morales dans les familles et écoles, la promotion de la justice et de l'équité sociale, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Des résultats que les organisateurs s'engagent à suivre la mise en œuvre. Il sera mis en place un observatoire qui sera composé des partis politiques de l'opposition, des partis politiques de la mouvance, des associations de la société civile et la presse. Quelque chose qui n'a pas encore existé au Burkina Faso. Nous disons que c'est une innovation qui va contribuer à résorber les crises récurrentes. Comme travail, c'est un travail de sensibilisation, mais ici avec des réseaux énormes. Participants et organisateurs espèrent la multiplication d'activités de ce genre à travers les pays, la bataille pour la paix nécessitant une implication de tous. L'ambiance contraste avec celle qui prévaut au sein du syndicat national du personnel en charge de l'éducation, en abrégé SINAPAGÉ. Le syndicat n'est pas d'accord avec le processus d'élaboration du statut particulier des personnes de l'éducation nationale et le fait savoir publiquement. Le point est de Nyarkiteda. L'élaboration du statut particulier des personnels de l'éducation ne fait pas l'unanimité au sein des syndicats.
C'est le cas du SINAPAGER, le syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de recherche, qui était face à la presse pour dire son mécontentement. Ce qui se passe aujourd'hui à Lumbila mérite que nous vous mettons au courant. Parce qu'un statut particulier, c'est totalement la carrière des agents qui se retrouvent en jeu. On va à Lumbila pour décrire un texte et l'administration prend parti pour des syndicats, tout simplement parce que ces gens sont capables, soit peut-être de brûler ou de casser. Donc nous avons dit non, si c'est ça la règle du jeu, nous aussi nous allons quitter. Pour le SINAPAGER, il existe un vide juridique concernant les personnels d'administration et de gestion du ministère des enseignements secondaires et supérieurs et celui en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Une situation qui porte préjudice aux personnels d'administration et de gestion, notamment le refus de l'indemnité spéciale accordée aux personnels de l'éducation et l'exclusion des personnels d'administration de certains droits. Il s'agit ici principalement de l'octroi de l'indemnité spéciale. Le clavier et la souris comme lien du député à l'électeur. Désormais, les députés veulent glisser sur la vague des technologies de l'information et de la communication vers l'électorat. Pour ce faire, maîtriser ces outils des temps modernes est un passage obligé à l'école des TIC. Internet et autres réseaux sociaux ne devraient plus résister à l'ambition des élus nationaux. Anatole Nakoulma, Anna Lucie Kéré. Qu'ils soient des députés ou des utilisateurs avertis d'éthique, les technologies de l'information et de la communication, les députés de la 5e législature se sont mobilisés pour prendre part à la première session de formation en informatique initiée à leur intention. Il s'agit véritablement de mettre les députés au cœur de la communication, notamment les TIC ici, afin de permettre une meilleure organisation du travail législatif, mais aussi permettre aux députés d'être toujours en relation de communication, pourquoi pas avec le public, mais déjà en interne également entre eux. Comme cet outil est maintenant l'outil que vraiment on travaille avec, et c'est avec ça qu'il faut tout faire de nos jours. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais apprendre quelque chose, pour savoir comment est le monde, et l'avenir. Il s'agira pour les députés de ce premier groupe d'apprendre à utiliser l'ordinateur, à faire des traitements de texte et à naviguer sur Internet. Les autres élus apprendront notamment à créer un profil Facebook ou Twitter et à connaître les meilleures pratiques d'utilisation des réseaux sociaux. C'est très important de pouvoir se cultiver, de pouvoir aussi rechercher l'information et pourquoi pas ne pas donner l'information. Par exemple, quand vous prenez les pages sociaux, on peut créer sa page et sur son mur régulièrement donner l'information à ses militants. Cette formation sera assurée par des experts qui sont en avance dans le domaine de l'informatique et qui sauront transmettre ce qu'ils savent aux représentants des citoyens. En 3 jours, on aura l'essentiel. Et comme vous le savez, dans ces domaines-là, la base essentielle, mais au-delà de la base-là, il faut que chacun de nous, on continue de construire pour pouvoir avancer. L'objectif recherché est de permettre aux parlementaires de communiquer de façon efficace avec leurs électeurs. Toute chose qui pourra aider à contrer la méfiance des populations envers leurs représentants à l'Assemblée nationale. Voilà, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, la Nationale des hydrocarbures vise l'agrandissement de ses capacités de stockage. Près de 4000 m3 à construire pour approcher un peu plus la Sonabi des normes en matière de stockage. Des familles dont les terres se trouvaient sur le site du projet ont dû céder les propriétés. À présent, l'heure est au dédommagement. La cérémonie s'est tenue sur place à Péni, à 35 km de Bobo-Dioulasso, Amadou Lougué et Ahadi Sandamba. 7 en tout, 8 familles que la Société nationale d'hydrocarbures Sonabi dédommage à Péni, village situé à 35 km de Bobo-Dioulasso. Ces propriétaires terriens qui ont accepté de céder leurs terres pour la réalisation du projet Péni sont aujourd'hui récompensés par la Sonabi. Nous sommes très contents et nous remercions la Sonabi de nous avoir fait ce beau geste. C'est vrai que le dédommagement a été fait, mais si on peut avoir plus, et ça va nous faire plaisir encore. Puisque moi, j'ai eu 3 millions de sambres, en fait. Mais c'est pour la famille, la grande famille. Bon, j'ai eu 4 millions. Je suis un peu soulagé. Bon, c'est que, bon, ils n'ont pas compté tous nos arbres, quoi. D'où nous, on a fait un écrit. Le directeur même m'a dit qu'ils vont voir ça après. Je suis en tout cas soulagé. Plus de 16 millions et demi de francs CFA ont été octroyés sous forme de chèques aux familles concernées. Conçu par la Sonabi depuis près de 10 ans, ce projet envisage la construction d'un dépôt pétrolier résumé dans cette maquette.
un dépôt qui devrait contribuer à accroître les capacités de stockage de la Société nationale d'hydrocarbures. Le dépôt de Bobo, en termes de gaz, nous avons une autonomie vraiment dérisoire. Elle ne permettait pas, nous sommes obligés parfois de garder les camions citernes qui constituent en fait des capacités de stockage. Ce n'est pas normal. Et en construisant un dépôt de 4000 m3, nous pouvons assurer à la zone de Bobo une autonomie de plus de 2 mois. Présente cérémonie de dédommagement aux familles marque en même temps le lancement officiel du projet Peni qui sera réalisé sur ce site de 30 hectares à 2 km de Peni. Dans la première phase de ce projet qui va de 2013 à 2018, la Sonabi compte investir plus de 60 milliards de francs CFA. De l'efficacité dans la gestion des projets et programmes du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, selon l'approche budget-programme, les membres de l'Assemblée sectorielle sont conviés à l'évaluation des performances de 30 projets et programmes du département. L'évaluation pourrait réorienter le tir pour des projets mieux adaptés aux attentes. Ernest Cambiré pour le point. La gestion des projets et programmes au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire dans une approche du budget programme est au centre de cette assemblée sectorielle. Pour les membres ici réunis, il s'agit dans cette nouvelle approche de procéder à l'évaluation des performances des projets et programmes au niveau du secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L'efficacité d'un département comme notre ministère, c'est essentiellement basé sur la performance des projets. Les gens disent que le ministère de l'Agriculture est un ministère à projet. Donc par conséquent, une contre-performance au niveau de ces projets, ça impacte négativement sur les résultats dans l'ensemble. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons convié l'ensemble des chefs de projet et programmes pour faire une revue à profondeur de leur exécution. Au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, une trentaine de projets et programmes sont actuellement mis en œuvre au profit des populations rurales. Et une analyse de leur performance en 2013 montre des niveaux d'exécution physique et financière satisfaisants, avec toutefois 11 projets et programmes évalués et classés orange. Et les présentes assises permettront donc de les analyser de plus près pour faire ressortir les contraintes et prendre les mesures correctives qui s'imposent. Pour les 11 projets qui sont orange, ici, le message est tout à fait simple. Ces projets doivent être au vert, quelles que soient les réformes que nous devons faire au niveau de ces projets. Il faut que ces projets soient au vert. Si nous avons conçu des projets avec des objectifs, si nous avons désigné des coordonnateurs en fonction d'un certain nombre de critères de performance qui sont attendus d'eux, il est inconcevable que ces projets soient situés à l'orange. Avant le début des travaux, le ministre Mahama Zungrana a rappelé qu'au niveau sectoriel, les projets et programmes constituent un moyen d'intervention privilégié pour mettre en œuvre les politiques publiques. Et l'efficacité dans leur gestion doit être quotidiennement recherchée par les différentes antennes de coordination pour faire de ces projets et programmes les locomotives du développement du secteur rural. Idem dans le département de l'économie et des finances. Là aussi, c'est la quête de l'efficacité et de la transparence dans l'exécution des projets et programmes qui est à l'ordre du jour sur la première assemblée sectorielle de l'année du ministère. Le reportage est cette fois signé de Moussaki et de Sié Sylvestre Da. Ce sont des directeurs centraux et régionaux ainsi que des coordinateurs de projets et programmes du ministère de l'Économie et des Finances qui discutent du financement et de la transparence dans l'exécution des projets et programmes de leur département. Une assemblée sectorielle qui se tient tous les 2 ans et qui s'inscrit dans un cadre de partage d'expériences dans le domaine de la gestion afin d'évaluer les performances des projets et programmes. Cette assemblée de 2013, placée sous le thème « Exécution des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances », prévoit différentes communications. Il y a 3 présentations qui sont prévues. Une première communication sur l'état de mise en œuvre des recommandations et résolutions qui ont été formulées lors des assises des assemblées générales passées et des revues annuelles. Ensuite, il y aura une présentation sur le rapport bilan 2012 de l'exécution des projets et programmes sous la tutelle MEF qui donne les différents détails, les grands chantiers en cours. Et ensuite, il y a une troisième présentation sur effectivement les résultats de l'évaluation des projets. Durant les échanges, les participants devront évaluer la mise en œuvre des recommandations et résolutions formulées lors de la dernière assemblée sectorielle tenue en 2011. La présente assemblée de 2013 devra également permettre d'adopter des mesures idoines pour rendre les projets et programmes du ministère de l'Économie et des Finances plus dynamiques et répondant aux besoins réels des populations burkinabées.
C'est aussi au nom de la transparence dans la gestion de la chose publique que le gouvernement burkinabé va se donner à voir à l'œil du public. Toutes les données non sensibles seront disponibles à tous, du spécialiste au curieux. Le projet est porté à bout de bras par la Banque mondiale en partenariat avec le ministère en charge de l'économie numérique, Amadou Marcel Tau et Claudine Bikaba. Dans les soucis d'améliorer la transparence, la démocratie, la lutte contre la corruption au Burkina Faso, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes mène une réflexion autour de l'initiative Burkina Open Government Data qui se présente comme une opportunité pour l'exécutif et la population de mieux se comprendre. Cette initiative nous permet d'ouvrir au public, c'est-à-dire vous les journalistes, les chercheurs, les étudiants, le peuple en général, de leur donner la possibilité d'avoir accès à toutes les données du gouvernement. Bien sûr, sauf les données nominatives. Quand une donnée est privée et vous concerne, elle ne sera pas disponible. Mais toutes les initiatives du gouvernement, toutes les réalisations du gouvernement, toutes les productions du gouvernement seront accessibles à tout le monde. En effet, depuis 2012, 55 gouvernements, dont 5 du continent africain, ont rejoint le partenariat pour un gouvernement ouvert. Ils se sont donc engagés à publier sur Internet une quantité sans précédent de données. L'information est très importante et c'est nécessaire que le gouvernement du Burkina Faso accède à fait partie de cette initiative. Le Burkina Faso pourrait devenir le premier pays de l'Afrique francophone à faire partie de ce réseau de gouvernements mineurs. Le sous-sol burkinabé est riche, mais les ressources humaines du secteur manquent de qualifications. C'est l'un des constats phares de l'étude prospective des besoins du secteur. L'étude a été commanditée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour pallier la situation. Les données se veulent des outils d'aide à la prise de décision en vue d'améliorer à moyen et long terme l'exploitation des ressources minières. Seydou Zon et Claudine Bikaba. Le secteur minier est en manque de personnel qualifié. C'est un constat fait par une étude commanditée par la Chambre de commerce et d'industrie qui veut ainsi apporter son soutien à ce secteur, un secteur devenu incontournable dans le développement du Burkina Faso. En effet, il contribue énormément à la création d'emplois et c'est dans le but d'avoir une vision claire de ce besoin que cette étude, dont les résultats feront l'objet de validations à cet atelier, a été initiée. Nous avons constaté qu'il y a un gros problème de main-d'œuvre parce que notre pays, n'étant pas un pays de tradition minière, fatalement, ce grand développement nécessite la main-d'œuvre qualifiée que nous n'avons pas sur place ici et que nous sommes obligés de faire venir d'ailleurs. L'étude a permis de faire l'état des lieux des ressources humaines, d'évaluer les dispositifs de formation existants et de formuler des recommandations. Les mines en exploitation emploient un peu plus de 10 000 personnes. Et dans l'étude prospective, nous pensons que avec les projets avancés et dont nous pensons que ces projets entreront en exploitation d'ici 2020, qu'il devrait y avoir à peu près 15 500 à 15 600 emplois de créés. Le document final qui sortira de cet atelier va constituer un véritable outil d'aide à la décision au département en charge des mines. Ces résultats sont fortement attendus de la Chambre de commerce et d'industrie qui envisage créer une école des mines au Burkina afin de répondre à cet impératif d'expertise en matière de mines. C'est une ressource humaine bien qualifiée qui ira relever les défis de la conception et de l'analyse des politiques économiques. L'unité de formation et de recherche en sciences économiques et gestion de l'université de Ouagadougou vient de livrer sa dernière couvée. La promotion sortant du nom de baptême Dr Alain Roger Kouéfé compte plus de 500 nouveaux diplômés sur la sortie de promotion. Le point est de Kadi Ouattara et de Adama Koulibaly. Plus de 500 étudiants, c'est la QV 2012 de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion dont cette cérémonie consacre la sortie de promotion. Issus des trois filières que sont économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement, maîtrise de gestion et développement et économie et gestion des entreprises et organisations, ces lauréats ont placé cette sortie sous le sceau de l'insertion professionnelle des jeunes comme vecteur de la croissance économique à travers une cérémonie commune. Nous devons travailler ensemble en tant qu'économistes
et en union pour pouvoir permettre de développer des théories économiques efficientes pour le développement du Burkina Faso. Et on a remarqué que c'est vrai qu'on pouvait le faire des sorties par promotion, par filière, mais c'est encore plus intéressant puisqu'on sent ce brassage-là, on sent cette union-là qu'il faut prôner pour un bon développement de notre pays. Bon, ça n'a pas du tout été facile. Ça a été une sélection très, très, très rude avec les grèves et tout depuis la première année. Bon, en tout cas, on est content d'être là. Je souhaite juste bonne chance à tous les candidats, tous mes camarades de classe qui viennent de sortir, car ce n'est pas facile. Sur le marché de l'emploi, ce n'est pas du tout facile. Et je demande aussi aux entreprises de nous faire confiance. Cette promotion qui effectue donc sa sortie ce jour a pris pour nom de baptême Dr Alain Roger Coéfé. Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils doivent prendre leur destin en main, ils doivent travailler pour être excellents. Ils doivent relever les défis de leur génération. Il est attendu de ces économistes et gestionnaires de nombreux défis dont la conception et l'analyse des politiques économiques au profit du développement socio-économique de Burkina Faso. Page santé, la lutte contre le diabète passe à la vitesse supérieure. Notre pays dispose désormais d'une banque d'insuline, cette substance indispensable aux malades du diabète. L'infrastructure tient également lieu de rencontre et de dépistage. C'est un don du Lions Club Ouaga Doyen sur l'inauguration. Le reportage est de Ramatou Zida et Sié Sylvestre Da. Cette banque d'insuline vient répondre aux besoins sans cesse croissants des diabétiques en ces produits. L'insuline permet aux malades d'entretenir, d'améliorer et d'avoir une espérance de vie plus longue. L'érection de la banque d'insuline est l'œuvre du Lions Club Ouaga Doyen et la cérémonie de ce 24 mai 2013 consacre son inauguration. Elle a une valeur de plus de 60 millions de francs CFA, y compris les matériels d'équipement. Ce geste des Lions va permettre non seulement de pallier la rupture de stock de l'insuline au Burkina, mais aussi de sensibiliser davantage les populations. Les malades du diabète souffrent souvent pour avoir le médicament nécessaire pour leurs soins. Parce que l'insuline, pour une certaine catégorie des malades du diabète, ont besoin de ce médicament pour se soigner tous les jours. Et ce n'est pas là, c'est ça qui aggrave la situation. Donc c'est ce constat qui nous a amené à construire un bâtiment que nous allons rendre fonctionnel pour contribuer à notre manière et appuyer les efforts du ministère de la Santé. Et le premier responsable de ce département, Léné Sebgo, de saluer ces efforts qui viennent renforcer ceux du gouvernement en la matière. Donc nous apprécions vraiment à sa juste valeur de, l'inauguration donc de cette banque d'insuline qui va soulager les malades et le fait aussi que la banque est intégrée dans son programme d'activité de donner des informations, de sensibiliser, permet également d'éviter la maladie. Donc la banque a un double rôle, celui de le faire, la promotion de la lutte contre la maladie en aval, mais c'est aussi de contribuer à soigner et à soulager les malades de leur mal. Le centre devrait être fonctionnel d'ici à un mois et les premiers soins seront gratuits. Le département de la santé, quant à lui, mettra des spécialistes à la disposition du centre afin d'accompagner les actions du Lions Club. À l'occasion, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux partenaires qui ont accompagné cette action. Les populations de Mantion-Gogo dans la commune rurale de Thiébélé, elles, célèbrent le rapprochement de l'eau potable de la localité. L'ouvrage a vu le jour grâce à l'Association départementale des jeunes pour l'architecture et le développement sur financement du Japon. 5 des 10 forages en vue viennent d'être inaugurés et le reportage est signé de Sié Sylvestre Da. Désormais, le village de Mantion-Gogo dans la commune de Thiébélé possède une source d'eau potable. Un forage inauguré ce vendredi 24 mai et qui vient alléger les difficultés des habitants en matière d'approvisionnement en eau potable, d'où la joie non contenue des femmes, les premières bénéficiaires. Nous les femmes, c'est une fierté pour nous d'avoir ce forage à Mantion-Gogo parce que au temps de nos mamans, ils avaient beaucoup de difficultés pour avoir de l'eau. Ils partaient à des kilomètres pour puiser de l'eau. L'œuvre est de l'Organisation départementale des jeunes pour l'architecture et le développement de Thiébélé et entièrement financée par le Japon dans le cadre du projet de réalisation des forages dans la commune. 45 700 000 francs CFA ont été déboursés par le Japon, une somme qui a permis de réaliser 5 forages dans 5 villages, foi du président de l'association.
On est allé au début pour 10 forages. Aujourd'hui, on a fait 5 forages. Mais nous continuons de demander. Et ces 5 forages sont venus soulager ces populations. Quand vous voyez la joie des populations, quand vous voyez la vie qui se passe, nous sommes aujourd'hui très contents d'avoir pu réaliser ces 5 forages pour la commune de Thiébélé. Ce soutien de l'Empire du Soleil Levant rentre dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement burkinabé. Ce programme consiste à encourager et à accompagner toute initiative visant à satisfaire des besoins existentiels des populations vulnérables, comme l'accès à l'eau potable. Le gouvernement du Japon a décidé d'accompagner les efforts faits par l'association afin que la population puisse avoir suffisamment de l'eau. L'Organisation départementale des jeunes pour l'architecture et le développement de Thiébélé et l'ambassadeur nippon espèrent une implication active des bénéficiaires dans la gestion et l'entretien des infrastructures. La vie ne lui aura pas fait de cadeau. Ses premiers instants sur Terre se terminent dans un sac plastique. Pour le moment, l'on ignore encore tout de l'identité du nouveau-né dont le corps a été ramassé ce matin dans le quartier Tanguin à Ouagadougou. Une découverte macabre qui a été rapportée par des riverains, Amadou Marcel Tho et Iñaki Teda. Découverte ignoble ce matin dans la capitale burkinabé. Sous ses sachets se trouve un corps sans vie d'un nouveau-né avec son cordon ombilical. Le bébé aurait été abandonné dès sa naissance au cours de la nuit dernière dans ce cul-de-sac, selon les riverains, visiblement choqués par l'acte posé. C'est mon fils de 10 ans qui m'a informé très tôt le matin qu'il a vu des chiens qui se disputaient un sachet noir dans la réserve. Après les avoir chassés, il a aperçu un corps sans vie d'un nouveau-né. Je suis donc allée donner l'information à l'église et de là-bas, on m'a suggéré d'appeler les sapeurs-pompiers. Pour l'instant, il est difficile de savoir qui a pu bien poser cet acte et pourquoi la personne a-t-elle agi ainsi après avoir supporté une grossesse de 9 mois. Si seulement ça ne pouvait être qu'un cauchemar, ou mieux, du cinéma, comme Macan. Le 66e festival a livré son verdict. C'est le film La vie d'Adèle du franco-tunisien Abdelatif Kechiche qui remporte la palme. La torride évocation de l'homosexualité n'aura donc pas effrayé le jury. Voilà, de l'émotion, des larmes et des rires aussi pour refermer cette édition, mais surtout du rêve. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et à demain. Bonsoir.